château où les attendaient le roi et le vilain palefrenier. Mon brave Ivan, dit le roi, tu as réjoui mon âme. Tu seras, je le proclame, mon premier écuyer. Ceci pour te remercier. Alors, dans sa noire furie, le palefrenier jaloux marmonna tout bas, à part, bien sûr, sans élever la voix. Attends un peu, je ne vois rien. Tout n'ira pas toujours si bien, car je veux mettre tout mon corps à provoquer un vrai malheur. Le palefrenier décida alors d'éloigner Ivan un soir. Après avoir écouté une histoire que lisait un cuisinier, il se rendit chez le roi. Le vilain palefrenier eut l'idée de raconter au roi que sur un bel océan vivait une très jeune et belle princesse dans une barque d'or dont la rame est en argent. Oh mon roi, ton écuyer se fait fort de capturer cette princesse. Il n'arrête pas de s'en vanter. Le roi fit aussitôt appeler son écuyer. Le roi, secouant sa barbe, s'écria : Ivan, prends garde ! Dans 3 semaines, il faut que j'aie la princesse au mon palais. Bien triste, notre pauvre Ivan, voyant que tout allait si mal, partit retrouver son cheval. Celui-ci, devant ses larmes, lui dit alors plein d'alarmes : Tu n'as pas l'air joyeux, qu'est-ce qui te rend si malheureux? Dis, que cache donc ton cœur? Et quelle est cette douleur? Près de lui, Ivan se baissa, il l'embrassa, le caressa. Mon malheur est sans limite, car le roi veut au plus vite que je trouve une belle princesse d'une très grande noblesse. Crois-tu que cela est peu? Le petit cheval conseilla à Ivan de demander au roi une tente, mais en fil d'or, une nappe et un couvert des mers d'au-delà des mers. Le lendemain, Ivan et le petit cheval bossu partirent pour l'océan. Au 8e jour, ils arrivèrent sur un chemin bordé de pins. Le petit cheval dit à Ivan : Ce chemin va vers l'océan. Là, pendant toute l'année, monté sur sa barque dorée, vit la princesse. 2 fois l'an, elle quitte cet océan. Le petit cheval dit alors : Installe la tente en fil d'or. Cache-toi derrière la tente et plonge-toi dans la tente. Tu verras une barque au loin. C'est la princesse, c'est certain. Quand elle se mettra à chanter, tu devras te précipiter. Dans la tente, tu entreras et aussitôt, appelle-moi. Le lendemain matin, très tôt, laissant sa barque au bord de l'eau, la princesse entra dans la tente. Ivan bondit près de la princesse et il la saisit par sa tresse. Le cheval alors apparut. Bravo mon maître, c'est parfait. Allons Ivan, mets-toi en selle et repartons avec la belle. Le roi, en les voyant venir, sortit bien vite les accueillir. Puis d'un air fort satisfait, conduisit la dame en son palais. Dans une pièce spacieuse, aux rideaux de soie précieuse. Et il regarda la princesse avec une grande tendresse. Belle princesse, sois mienne. Je voudrais que tu sois reine. Tu souhaites vraiment m'épouser? Jamais je ne pourrais l'accepter. En tout cas, si tel est ton objet, je te donne 3 jours pour trouver mon anneau d'or, mon diamant, perdu au fond des océans. Dis-moi comment l'y repêcher. Et sans plus attendre, j'y cours pour gagner ton amour. La princesse n'en dit pas davantage. Le roi fit convoquer Ivan et le chargea de cette lourde tâche.
Dès le lendemain, Yvan et son petit cheval partirent pour l'Orient. Alors, le petit cheval bossu conta cette histoire à Yvan. Au milieu de l'océan vit un mammifère géant, une baleine faite prisonnière à la suite d'une vilaine guerre. En s'attaquant aux pêcheurs, les pourchassant, leur faisant peur, elle a englouti 30 navires. Alors la lune, pour la punir, a fait installer sur son dos le plus pénible des fardeaux, une ville et sa population qui la tourmente de mille façons. Tu peux la délivrer du sort, et pour lever la punition, chasser toutes tes populations, à condition qu'elle soit d'accord de libérer les tronvoyés qu'elle a goulûment avalés. Libérée, elle pourra plonger et nous rapporter le coffret. Yvan, attends là et surveille. Avant le coucher du soleil, tu dois rapporter le présent, celui que la princesse attend. De leur voyage, ils rapportèrent le bijou extirpé des mers. Le roi, déjà, les attendait. Il leur ôta des mains l'anneau pour l'apporter en son château. Et le donnant à la princesse, il lui rappela sa promesse. « Belle princesse, sois mienne. Je voudrais que tu sois reine. » La princesse lui répondit, « Impossible de me marier. » « Mais pourquoi donc, mon cœur, mamie, moi qui t'aime à la folie? Si tu refuses, je mourrai. Oui, de chagrin, je périrai. Tu vois déjà que je m'effondre. » Et la princesse de répondre, « Mais regarde tes cheveux blancs. Moi, je n'ai pas encore 20 ans. Si jamais nous nous marions, tous les autres rois riront de voir que j'épouse un grand-père qui n'a vraiment rien pour me plaire. Je ne veux pas d'un vieux barbon. Redeviens jeune et beau garçon et je t'épouse sur le champ. » La princesse lui proposa un moyen de rajeunir. Demain, fais faire 3 grands feux. Là, dans la cour de ton palais. Ceci pour ne plus être laid. Quand les 3 feux pétilleront, que l'on y place 3 chaudrons. Dans l'un, que l'on verse d'abord de l'eau glacée jusqu'au bord. Le deuxième doit contenir de l'eau mais en train de bouillir. L'autre doit être plein de lait. Puisque tu prétends qu'il te plaît de m'épouser et d'être beau, dévêt-toi donc et aussitôt plonge-toi dans le lait bouillant, puis dans l'eau qui l'est autant, et ensuite dans l'eau glacée. Quand tu y seras passé, quand tu auras fait cet effort, tu redeviendras beau et fort. Aussitôt, le roi appela Yvan et lui ordonna de se baigner avant lui dans les 3 chaudrons. Le petit cheval bossu conseilla à Yvan de demander au roi de le faire appeler pour lui dire adieu. Le jour suivant, dès le matin, les chaudrons bouillonnaient déjà. Yvan, ôte tes vêtements et plonge dans le lait bouillant. « Alors Yvan, qu'est-ce qui t'arrête ?» lui dit le roi. « L'eau est prête. Allez, fais donc ce que tu dois. » Mais Yvan lui répondit. « Ma foi, faites venir votre grandeur, le petit cheval de mon cœur. Je veux lui dire au revoir. » Le roi donna son accord et par un valet fit amener le petit cheval bossu. Le cheval agita la queue et ensuite il siffla gaiement. Son museau il mouilla un peu, puis il en aspergea Yvan. Yvan regarda son ami. Dans le grand chaudron il bondit, dans les 2 autres, et aussitôt il en sortit si beau
qu'aucun conte ne peut le dire et aucun pinceau le décrire. S'inclina ensuite par deux fois et se trouvant plein de vigueur, prit une allure de seigneur. Nous n'avions pas entendu dire qu'il est possible d'embellir, s'écrièrent les gens de cour. Alors le vieux roi, à son tour, se fit dévêtir, se signa. Plouf, dans le chaudron il sauta et il mourut ébouillanté. Alors la reine de beauté, la jeune et jolie princesse, à la foule qui se pressait, demanda de faire silence. Puis s'adressant à l'assistance. Le roi vous souhaite longue vie. C'est moi qui régnerai ici. La princesse alors se taisant, désigna à la foule Yvan. Si je vous conviens, répondez. Et si c'est oui, reconnaissez pour votre maître et seigneur celui qui a pris mon cœur. La foule cria. Nous acceptons. Même en enfer, nous te suivrons. C'est aussi par amour pour toi que nous prenons Yvan pour roi. Alors, les canons de gronder et les trompettes de sonner. Au palais, un grand festin fut servi à la foule joyeuse. Sous la protection du petit cheval bossu, à qui on fit construire une écurie dorée, le roi et la reine vécurent heureux.